Cette voiture, c'est la voiture du futur. Elle consomme 1 litre au 100. Moins de carburant consommé, moins de CO2 rejeté. Bref, c'est tout bénef pour le porte-monnaie, mais surtout pour la planète. Alors comment est-ce possible? Grâce notamment à une innovation de la chimie. Laquelle, à votre avis, une idée? Une colle. Mais attention, pas n'importe quelle colle, une colle très très spéciale. Son petit nom, Betamate. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Dans ce prototype qui s'appelle Eolab, on la retrouve où la colle Betamate? Eh bien on la retrouve un petit peu partout, essentiellement pour assembler la structure de la voiture, la caisse, sur les planchers ou sur les côtés de caisse. Et donc elle est quasiment entièrement collée. Alors pourquoi on utilise une colle? Donc l'enjeu essentiel c'est de réduire le poids de la voiture pour consommer moins de carburant. Et si on consomme moins de carburant, on a moins de rejet de CO2. On réduit ce poids grâce à l'utilisation de différents matériaux. Et ces matériaux-là, pour pouvoir les assembler, on a besoin de colle. Et concrètement, cette Eolab, elle pèse combien? Là, on est à 900 kg et une Clio, c'est 1400 kg, un peu moins. D'accord. Les fabricants de voitures utilisent la colle Betamate, mais ne l'ont pas inventée. Elle est née dans la tête des chimistes. Allez, en route pour le labo où notre innovation a été créée et développée. Nous, on va en Suisse, Philippe, on vous dépose? Ah bah, avec plaisir. Allez. Nous sommes ici, tout près de Zurich, à Orgen, où se trouve le laboratoire qui développe la Betamate. La Betamate, c'est une innovation signée Dow Chemical. Dow est un géant de l'industrie chimique et c'est surtout le leader mondial des codes structurels. Hello, bonjour, enchanté. Nice to meet you, I'm Tina. Nice to meet you. Where exactly is Betamate in this car body? Can you show us? Yeah, you can see it, for example, here in the back of the car. You can identify where the material is squeezed out. It's here. You can see it here at the bottom of the car, and actually it's applied all over the car. Betamate is replacing welding and screws. There is a combination, actually, of using a lot of structural adhesive, how we call it, together with spot welding technology. Spot welding and chemistry is applied together, but actually what you can do is you can reduce the amount of spot welds. So you've said it, Betamate is a structural adhesive. Yes. What is exactly structural adhesive? Betamate is an epoxy-based, specially toughened structural adhesive, so you apply chemistry and improve the body performance of the car. And why is it so innovative? Because it makes the body so stiff, it makes it better in crash, and it makes it better in fatigue durability. Okay, we're good. Hey, hello. Nice to meet you. Pleasure to meet you. I'm Tina. Hello. The preparation of an adhesive is very much like baking a cake. And the ingredients makes, of course, the difference. What do we find in Betamate? We have four main ingredients, which is a resin. Okay. Color and catalyst. Yeah. It's a filler, which adjusts the viscosity. And the main ingredients is our toughener technology. What's it so innovative? The biggest innovation of our adhesive grades is certainly the toughener. It's the key ingredient to help our adhesive to enhance the crash impact, to improve the energy absorption of our adhesive technology. What's the purpose of this test? This test actually is running at a very high speed. So we have to make certain that the adhesive will perform well actually in the car, because it had to resist a lot of forces in case of a crash, for example. La Betamate, c'est une grande famille d'une vingtaine de colles plus ou moins cousines. La petite dernière, baptisée Betamate 1630, a remporté le prestigieux prix R&D 100. C'est ni plus ni moins que l'award de l'innovation. Alors Tina, quelque chose à rajouter? Oui, une petite question. Savez-vous où est produite la Betamate? Eh bien non seulement on la développe en Europe, mais on la fabrique aussi. L'usine de Dow n'est pas très loin d'ici, en Allemagne. C'est notre prochaine étape. Hello. Hello, nice to meet you. Tu vois Tina, cette colle, la bleue, celle qu'on retrouve dans les Eolab. C'est une composition un petit peu différente, on le reconnaît, tu sens, ça n'a pas la même odeur. That's our test lab
for all of our adhesive. And you, Alvia, you are a chemist? Yes, I'm a chemist, but I'm a chemist in a chemical plant. Is there a big difference between a job of chemist in a lab and a job of chemist in a plant? Plant chemist is, for me, it's a better job. I like to work with a lot of people and I like to work with chemistry in plant. I like more the stress of operational plant. Yes. I have to work with safety in the plant. I'm checking if we are working right, but he is checking the properties of the material. Here is our control room. Oh, hi. Nice hi. To meet you. Hi, Tina. Nice meeting you. Do you know how much betamate you've already produced and sold? 7 billion meters of betamate actually into all the cars. And just for your imagination, that is actually equivalent to 170 times around the world. And what does it mean in terms of oil saving? 10 billion liters. For example, if you take the Stade de France and the space, and you fill that 10 meters full of gasoline, and you multiply that with 200 or 200 stadium, that is actually the volume that has been saved. Wow. And what does it mean in terms of CO2 emission? Like, how much is avoided? Even more. It's actually 500 Stade de France filled with carbon dioxide. Ok, Tina, alors, t'as tout compris? La vole! Le Betamate, c'est quoi? Pour économiser le carburant et diminuer les émissions de CO2, on réduit le poids des voitures. Et pour alléger une voiture, on utilise des matériaux très divers, comme par exemple l'acier, l'aluminium, le verre, le plastique et des composites. Donc pour les assembler, il faut une colle très résistante au choc. Et ça, c'est le Betamate, une colle époxy née du mariage de deux grands types de molécules, la résine d'époxy et un durcisseur de haute technologie. Tout le pouvoir du Betamate réside dans ce deuxième ingrédient. Parce qu'une voiture plus légère, c'est une voiture plus sobre en énergie.